Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi 25 septembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, la petite pensée positive de ce matin, acceptez les choses comme elles sont. La recherche de la perfection est une quête épuisante, stressante. Acceptez de lâcher prise. Les choses ne vont pas si mal et souvent bien mieux qu'on ne le pense. Waouh! C'est un travail sur soi là qu'il faut faire, hein? Bien! J'ai pigé aujourd'hui le calice, l'abondance. Alors le calice est un symbole, n'est-ce pas, sacré qui représente, eh bien, l'eau. Il représente l'amour, la fécondité et l'abondance. Il évoque, eh bien, la capacité de recevoir et de donner l'amour inconditionnel. Sur le plan spirituel, n'est-ce pas, le calice symbolise la connexion avec le divin et votre nature sacrée. Eh bien, ce calice est un signe d'abondance. C'est un signe d'équilibre. C'est un signe de transformation. Ce calice vous rappelle que vous pouvez vous permettre de ressentir pleinement vos émotions, alors qu'elles soient positives ou négatives, et de les exprimer de manière saine. Cela peut impliquer de libérer les émotions refoulées, de pardonner ou de laisser aller les blessures du passé. Maintenant, ça parlera à certains, ça parlera pas à d'autres. Si maintenant vous vibrez avec ce calice, eh bien, il y a une libération à faire. Avez-vous des émotions refoulées que vous ne dites pas, que vous n'exprimez pas? Est-ce que vous avez des difficultés à pardonner? Est-ce que vous avez difficile de laisser partir les blessures du passé? Tout ça, eh bien, il faut que vous pensiez à peut-être faire ce travail sur vous-même. Donc, grand travail avec ce calice, parce que vous pourriez avoir beaucoup d'amour, vous pourriez retrouver un équilibre, vous pourriez voir une transformation, de l'abondance. En tous les cas, posez-vous ces questions et peut-être vraiment faire ce travail sur vous-même pour que vous soyez soulagé de tout ce qui repose sur vos épaules. Libérez vos émotions, pardonnez, laissez les blessures du passé parce que, en fait, ce qui est passé, on ne peut plus rien y faire, mais vous pouvez y faire avec ce qu'il en vient. C'est selon ce que vous déciderez que vous pourriez avoir cette abondance. Avez-vous posé votre question? Si vous n'avez pas posé votre question, je vous laisse un instant. Bien, alors, la réponse à votre question est non. Des barrières émotionnelles doivent être surmontées avant de pouvoir accéder à une expérience plus épanouissante. Donc, voilà, vous devez surmonter des barrières émotionnelles. Donc, voilà, libérez vos émotions. pardonner, laisser ses blessures au passé. Permettez-vous, de ressentir pleinement ces émotions sans jugement ni résistance, en reconnaissant qu'elles sont des messagers de votre âme, car ces émotions, elles peuvent vous révéler des aspects de vous-même qui nécessitent une guérison, une intégration ou encore une transformation. Alors laissez ces émotions faire surface et ne les jugez pas, ne résistez pas, car c'est dans les résistances que vous stagnez, vous ne pouvez pas avancer. Alors chaque émotion refoulée, vous n'avancez pas. Le pardon. Alors le pardon, pardonnez pour vous-même. Vous ne pardonnez pas pour les autres. Maintenant, pardonnez peut-être. Pardonnez-vous. Vous avez peut-être fait des choses qui n'étaient pas bien, mais pardonnez-vous et soyez indulgent vis-à-vis de vous. Maintenant, si vous avez des blessures du passé, laissez-les partir. Vous savez, ressasser et se poser en victime, se victimiser, c'est... Prenez vraiment le taureau par les cornes et dites, voilà, je laisse mes émotions partir, je ne les refoule plus, je les accepte, je les prends, j'accepte et je les laisse partir. C'est tout un travail, mais avec ce calice, il y a vraiment de l'abondance qui arrivera à vous. Très beau message. Alors, j'ai pigé aujourd'hui acceptation. La seule chose dont tu dois t'occuper dans ta vie, c'est aimer et accepter les zones d'ombre. Tu es belle, beau, tel que tu es, quelles que soient les erreurs que tu as l'impression d'avoir commises. Tu es un être de lumière, accepte qui tu es et sois toi-même. Quand tu auras vraiment accepté qui tu es, tout au monde va se transformer avec amour comme par magie. Très beau message des anges, s'accepter comme on est avec ses parts d'ombre. C'est un très beau message. Alors comme je vous le disais, on a peut-être fait des choses qui n'étaient pas très bien. Soyez indulgents, vraiment. Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau message, pour une nouvelle guidance intemporelle. Et d'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse, à demain.